Bon, ça suffit. Je te l'avais bien dit. Oh, Catnap, est-ce que je devrais lui dire? Regardez ça. J'espère qu'il ressent la même chose. Je vais lui donner mon mot. C'est le moment. C'est pour toi, Catnap. Oh, mes devoirs. Attends, une lettre d'amour? T'es amoureuse de lui? Regarde-toi et regarde-le. C'est trop drôle. C'est l'heure d'aller en cours. Reprends ça. On y va, les gars. Je m'attendais pas à ça. J'ai besoin d'une distraction. Pour faire une peluche Hopi, on doit mélanger ces liquides. Comme ça. Ok. Je vais mélanger les liquides dans une grande fiole. Je verse et... c'est bon. Regardez, j'ai réussi. Waouh, très bien. L'antilo a réussi. Peu importe. Je vais faire quelque chose d'encore plus puissant avec de l'ail. Prêt? Oh! Mauvaise proportion. C'est n'importe quoi. Tu vas devoir repasser cet examen. Oh! Attends! Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Aide-moi avec la chimie. Toi et la chimie? C'est impossible. Tu m'aides à le séduire alors? Toi et lui? Impossible. Aide-moi. Seulement si tu nous mets en couple. Marché conclu? Très bon marché même. Deal. Super, on peut commencer. Catnap doit te remarquer. Mais par quoi commencer? Oh, j'ai une idée. Poppy, où t'es? C'est mon crush. Arrête de faire l'imbécile. Concentre-toi. Très bien, ces boutons. On va nettoyer ton visage avec de la mousse. Parfait. Nickel. Encore un peu. Regarde-toi. Je vois rien de drôle. C'est l'habitude. Bon, on a besoin d'une styliste. Hé, tu m'as préparé le dîner? C'est pas ton repas. Transforme-la en Kitty Nap. Dommage, tu ne seras jamais Kitty Nap. C'est sans espoir. C'est quelque chose. Oups. Aïe. Un petit encas. Et t'en payes le prix. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Waouh, j'ai la peau toute propre. Je me tire. Génial, ça, c'est fait. J'ai une box beauté. Ça va prendre du temps. Attends. Voyons voir. Une éponge. Ouais. Et de l'anticerne, ce sera utile. Du brillant à lèvres. C'est pas la bonne couleur. Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce qu'il a mal tourné ou quoi? Du jus de grenade. Oh, bah. C'est bon. Où t'es? Hé, aide-moi. Oust. On peut commencer. Commencer quoi? Ton maquillage. On va mettre de l'ombre à paupières. Et sculpter ton nez. Je vais inviter Catnap au café. T'as bientôt fini? Presque. Du mascara sur les cils. Et voilà, regarde-toi. Waouh! Ton maquillage est terminé. Super. Catnap? J'arrive. Hé, c'est trop tôt. Wow, elle est jolie. Salut. T'es pas Kitty Nap. Et mon maquillage? Le maquillage est pas mal, mais le reste, non. Oh, j'y crois pas. Attention, tu mets les pieds. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Prends ça. Oh, tu perds rien pour attendre. Au secours. Ma chère carte, dites-moi ce qu'il attend au café. Oh, un cœur brisé. T'es fichu, je vais me rater. Ne pense pas ça. Encore? Je voulais pas que ça se termine comme ça. Oh, très bien, j'ai une idée. Un maquillage express. Prête? Ferme les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Hey, waouh! Fais voir. Parfait. On doit encore travailler les yeux. J'ai une idée de folie. Tiens ça près de ton visage. Des câbles sur mon visage? D'accord. C'est parti. J'espère que ça va marcher. Ouais, les yeux, c'est bon. Maintenant, pour la tenue, on va aller faire du shopping. Et je vais t'apprendre la chimie. Chut, calme-toi. Ça va être marrant. C'est simple. Suffit de les mélanger pour obtenir des couleurs spécifiques. J'ai capté. Le violet? Pas mal. Non, pas ça. Je vais continuer à chercher. Pour obtenir... Est-ce que tu m'écoutes au moins? J'écoute. Attends. Mélange du rouge et du blanc et obtiens du rose. Parfait. J'ai une idée. Il nous faut un seau d'eau. Voilà. Maintenant, il nous faut les bonnes couleurs. Oh, parfait.
Je vais mettre ça dans le seau et remuer. On s'ennuie. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te mordre. Oh, un vampire. Encore un peu et c'est fait. Essaye ça. Waouh, je reviens tout de suite. Sympa, ça. Mais la couleur va pas du tout. Il nous faut la bonne combinaison. Oh, parfait. Il faut une fiole. Verser du lait et mélanger. Voilà. Et c'est ça. J'adore. Et toi? Jimmy, c'est tellement intéressant. T'es incroyable. Les méthodes de mélange. Waouh, super. C'est pas habituel pour moi, mais ce nouveau look me plaît beaucoup. Et maintenant, les cheveux. Quoi? Katna? Suis-moi. Si tu le dis. Regarde, ils sont là. Merci pour la sucette. Elle est délicieuse. Voilà le plan. Tu le distrais et je m'occupe d'elle. Hé, Catnap, je peux te demander quelque chose sur la mode? Ah, c'est ma spécialité. Oh, t'en fais pas. Par ici. Comment tu trouves ma tenue? Très jolie, ça te va bien. Oh, un emballage. Fais quelque chose pour tes cheveux, par contre. Quel culot. Prends ça, c'est à moi. Qu'est-ce que tu fais? Cool. Plus qu'à effacer l'épreuve. Ok, bye. Bizarre. Quoi? Où est passé tout le monde? Top là, oui, on va te faire des cheveux roses. Et je sais comment, avec l'aide de la chimie. Et voilà. C'est parti. Je verse la base. Ça suffit. Maintenant, la couleur. Quelques gouttes. On mélange bien. Je crois que c'est bon. Maintenant, place à la coloration. J'en applique sur les mèches. Et la touche finale. Fais attention. T'inquiète pas. Tiens, un cadeau de ma part. Waouh, merci. Terminé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les oreilles. Entre. Ta livraison. Parfait, on dirait que ça a été fait rien que pour toi. Waouh, miaou. Bon, pour boire. Pour boire, c'est toi qu'on va boire. Non, je suis safe. Oh, de l'ail. Prends-le et va-t'en. J'aurais dû faire ça tout de suite. Quoi? Le rattrapage est dans 5 minutes. Du calme. Viens, dépêche-toi. On va être en retard. C'est parti. Je sais plus rien, je suis trop stressée. Tu vas y arriver. Voilà ton test. Bonne chance. De Dog Day à Catnap. Les gars, quelle couleur on devrait mélanger pour faire Catnap? Dites-le moi dans les commentaires. C'est quoi l'exercice? Par quoi commencer? Peut-être par ça. Nettoyage de la classe. Oh, j'ai tout oublié. Regarde mon dos. Quoi, ton dos? Ah, c'est la solution. Super, je commence par le rouge. Bouge. Hey, tu déranges l'élève. J'entends rien. Je mélange avec du vert. Ça devrait faire l'affaire. C'est bon. Tu perturbes l'examen. Quitte cette classe. Regardez, j'ai réussi. Impossible. Félicitations pour ton rattrapage. J'ai échoué. Comment ça? Je plaisante, j'ai réussi. Yes. Merci. Tes chaussures. Elles sont affreuses. Il te faut absolument des nouvelles chaussures. Regarde, les chaussures en promo. On les achète. Voyons ce qu'on a là. Rien, désolé. Qu'est-ce qu'on va faire? Essaye. Oh, une seconde. Oh. C'est vraiment Cendrillon? Laisse-moi faire. Bien sûr que oui. Voilà. Oh, quelle merveille. Regarde ces chaussures. Oh. Quoi? Nom d'un chaton. Elles me vont. L'amulette. Je m'en occupe. Suis-moi. Oh, de la pâte à tartiner au chocolat. Parfait, je vais prendre ça. Pour décorer, où sont mes biscuits? Regarde ce que j'ai. Waouh, cool. Tu as ton amulette. Les manières? Quoi? C'est très important pour les chatons. Je vais tout noter. Regarde bien. Le dos droit et... Je suis prête. Quoi de neuf? Va le voir. Non. Bonne chance. Oups. Quoi?
Regarde, on a fait un cœur. C'est l'amour. Oh, je suis trop contente pour eux. Quand est-ce que je vais rencontrer le mien? Chérie, j'ai apporté des cupcakes. Qui c'est? Oh, juste une copine. Elle allait partir. Non. Elle pleure. Ah, oh, quel vilain chat. Qu'est-ce qui te prend? Tu mens. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tiens ça. T'en veux? Non. Hé, hey, tu veux quoi? Je vais m'occuper de toi. Tu m'as pris mes fringues. Et t'as pris les miennes. Hé, hey, arrêtez. Je vais chercher de l'aide. Oh, sacrée trouvaille. J'ai besoin de toi. Viens aider ma copine. Non, regarde ces ailes que j'ai trouvées. Prends ça. Oh. C'est quoi ces ailes? Lâche-moi. Je vais m'occuper de toi. De moi? Prends ça. J'ai de la crème dans les yeux. Ça suffit. On doit faire quelque chose. Il y a un poste de police là-bas. T'as raison. Qu'est-ce qu'on mange? Les filles, arrêtez de vous battre. Pouvoir d'étoile d'araignée. Oh, tu parles. Trop drôle. Regarde un peu mon pouvoir. Magnifique. Oh, tu es allé trop loin. Il n'y a plus rien. Une peau de banane. Prends ça. Oh. Aïe. C'est terminé. Attends. Oh, Kitty Nap. Où je suis? Cet endroit est vraiment glauque. Ça me plaît pas. Hey, il y a quelqu'un? Hello. Ça s'est ouvert tout seul. Qui est là? Est-ce que c'était mon imagination? Hey, gamine. Hey. Hey, je suis contente de te voir. Pas pour longtemps. Bienvenue dans mon domaine. Pichou, qu'est-ce qui t'arrive? Bouh. Allez, viens. Oh, s'il te plaît, fais pas ça, maman. Ne t'inquiète pas, je vais rester avec toi. Là, c'est là qu'elle a été attaquée. Où ça? Qui a éteint la lumière? Va voir ailleurs si j'y suis. Ils étaient juste là. Je te mets une amende pour fausse alerte. Ok. Taré. Où ils sont passés? Je crois qu'elle est distraite. Piou! Je préfère ça. Du coca, c'est bon? Oh, il est confortable ce canapé. J'adore. Arrête de me sauter dessus comme ça. C'était quoi ça? Bon, je dois me tirer d'ici. Je vais me cacher là. Les enfants, vous êtes levés tôt? Je peux pas me cacher là. Comment je vais m'échapper? Oh, waouh, c'est qui ce beau gosse? Waouh, il est vraiment canon! Ouais, je crois que j'y suis allée un peu trop fort. Hé, hey, elle est passée où? Je l'avais attachée. Quoi? Repose-la tout de suite. Bert, tu pollues ma chambre avec tes cœurs. T'es tellement drôle. Tu penses qu'on pourrait être un couple un jour? Je ferais n'importe quoi. Vlad et toi? Aucune chance. Hé, hey, lâche ça, c'est à moi. C'est ton petit copain, c'est ça? Vlad, il est trop vieux pour moi. Laisse-moi le prendre. Oublie-le, il en vaut pas la peine. Maman, encore un siècle de plus, s'il te plaît. Saleté de réveil. La vie éternelle serait plus sympa si on devait pas se brosser les dents tous les jours. J'en ai marre. Surtout quand c'est du ketchup à la place du dentifrice. Je devrais limer mes crocs, tiens. Regardez-moi ce beau gosse. Le temps n'a aucun pouvoir sur moi. T'es fantastique, Vlad. Je vais tous les croquer. Un vieux solitaire et un narcissique. Hé, hey, Salamèche, qu'est-ce qui t'arrive? Je peux essayer ça? Pourquoi? Je veux aussi être un vampire. Tu peux m'aider? Je crois que j'ai pas le choix. Bah quoi? Bébé, la tenue, c'est en dernier. Va t'asseoir. Waouh, cet endroit est vraiment cool. Ouais, je dirais pas ça. Ok, tiens. Tu vas avoir besoin de ça. Cool, merci. Autre chose? C'est tout pour l'instant. Arrêtez! Je vais vous nourrir, c'est bon. Hé, hey, vous payez pas de loyer ici. Alors allez-vous-en. Ces squatteurs sont un cauchemar. Quoi? Ma cape préférée! Vous allez pas vous en sortir comme ça. Allô, Pierre? J'ai besoin de toi. Ah, Vlad, t'as encore coincé ta cape dans la porte, c'est ça?
Aïe! Chut, bouge pas, je prends tes mesures. Ouais, t'as pris un peu de poids. Je vais m'occuper de toi. Je t'en prie. Style et élégance. C'est ça qu'il te manquait. Il se croit immortel, celui-là. Comment t'as fait ça? Oh, wow! Regarde! Hey, t'es où? Oh, j'ai eu peur. Excellent travail! Ouais, mais c'est pas gratuit. Je te dois rien pour ça. Quoi? Idiot, ça marche pas sur moi. Va-t'en! Quoi? Bon sang! Bon, ok, t'as gagné. Je te fais une remise. 1100. On dirait qu'il n'y a pas tout. Stylé tes fringues! Oh! T'étouffes pas? Merci, mon pote. Ça fait longtemps que j'attends de te rencontrer, Vlad. C'était sur la table, ça? Ok, je crois que j'ai trouvé. Voilà, c'est pour toi. Ok, Salamèche, ferme les yeux. Tchoum! Wow, doucement avec tes flammes! Waouh! Je me suis jamais vue comme ça! Wow. J'adore! Ouais, on n'y est pas encore, hein? Oh, mes yeux de rechange! Troum food! Oh, il est amer celui-là! Hé, hey, Salamèche! Je pense que tu devrais aussi y goûter! Serre-toi! N'aie pas peur! J'ai fait ça des milliers de fois! Maintenant, un deuxième! Miam! C'est fait! Ouais! Maintenant, on va choisir la même couleur pour tes lèvres! Où est passé mon rouge à lèvres? Les enfants l'ont encore mangé ou quoi? Ouah, je dirais pas non à un petit gâteau! Comme il est joli! Et délicieux en plus! Une Pokéball? Y a quelqu'un là-dedans? Je crois que je l'ai trouvé! Salamèche? C'est trop bon! Oh, le rouge me va bien! T'es canon comme ça! Tu m'as réveillée? Pourquoi t'as jeté ça? Oh, je peux les avoir! Serre-toi! C'est bon, je te pardonne parce qu'il y a des cupcakes! Tu veux des yeux aussi? Donne-les-moi! Allez, ciao! Je peux pas le supporter! Ouais, je suis un vampire! Pas encore! Mais on peut t'améliorer! Ah ah! Le voilà! Un peu par ici et c'est terminé! C'est vraiment moi? Ah, les Pokémon connaissent pas de bons coiffeurs, on dirait! Va y avoir beaucoup de boulot! Qui je vais prendre cette fois? Siren Head! Je t'ai jamais aimé, toi! Au moins, tu nous seras utile! Je crois que c'est assez pour commencer! T'inquiète pas, je vais m'occuper de tes cheveux! Je vais tisser des mèches de la même couleur que ton maquillage sur ta tête! Oh, pourquoi ils sont tous emmêlés? Ouah, t'as fait des miracles! Merci! Est-ce que je vais devoir garder ça pour toujours? Régnez-moi, humain! Je vous presserai jusqu'à la dernière goutte! Santé à moi! Quoi? On aurait pu m'envoyer un texto? Retourne-toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Vlad! Comment tu m'as trouvé? Il s'est encore échappé? T'iras pas bien loin! Je te retrouverai où que tu sois! Il est où? Stupide mortel! J'ai l'assaisonnement parfait pour toi! Oh non, cette odeur! Je te tiens maintenant! Reverse? Tu veux jouer, c'est ça? Alors on va jouer! Pika! Ronflex! Galopa! Et Salamèche! Je te bats! Vas-y, tire! 1 à 1! Je suis le meilleur au jeu des serpents et des échelles! Oh, à mon tour! C'est parti! Oh, Dimitrius, vieux chien sournois! Oh, Vlad, comme au bon vieux temps! 100%! Allez, à plus, mon pote! Attends! Il m'a encore piégé! Ouvre la porte tout de suite! Bon sang! Je vais encore devoir faire le ménage! Regarde, Ellie, je suis Charlie Chaplin! On dirait que t'as jamais porté de chapeau avant!
Bon, on va en finir une bonne fois pour toutes. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert cette valise. Mon préféré. Essaie donc ça. Oh, j'adore. Enlève-moi cette robe. On va trouver quelque chose de plus joli. Regarde, je suis un cygne. J'ai toujours rêvé de faire de la danse classique. Oh, c'est naze. Suivante. Qu'est-ce qui va pas cette fois? Je vais essayer cette robe. Est-ce que je ressemble à une vampire maintenant? Qui est là? C'est plutôt pas mal comme ça. C'est beaucoup mieux. Tourne-toi. Ok, on doit juste se débarrasser de ça. On va te couper les plumes, Salamèche. Mes ailes? Qu'est-ce que t'as fait? Il en reste une. Maintenant, t'es parfaite. Si tu le dis. J'espère que ce speed dating sera vraiment rapide. Coucou, je suis Ariel. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de sushi. Oh, et voici Shiny, ma nageoire préférée. Hé, hey, je vais être trempée! Arrête! Wow! C'était qu'un vieux thon. Hé, hey, salut toi! Tu vas bien? Ouf! Où est-ce qu'on règle le volume? C'est insupportable! On va pas aller se promener au clair de lune alors? Oh, je me sens si seule! Mais est-ce que la chance me sourit enfin? Salut, t'es tout seul? Je m'appelle Vlad. Oh, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Quelle poigne cette femme! Désolée, je suis juste stressée. C'est le bazar dans mon sac à main. Je vois que t'as rien d'inutile là-dedans. Juste l'essentiel. Oh, fais pas attention à ça. Pourquoi t'as besoin de tout ça? Je suis une représentante de ma société. Je vais te faire une démonstration de notre nouveau parfum. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est abject! C'est de l'ail? T'as bien deviné, vampire! Oh non! Oups, j'ai oublié mon sac à main. Tu m'as sauvé, merci! Je m'occupe de lui! C'est pas mal aussi ça, non? J'adorerais m'accrocher à son cou. Je l'aime trop! Tu regardes mes boucles d'oreilles? Tu te trompes! Oh! Maintenant, je ressens ton pouvoir! Tu t'es pas encore vue dans le miroir! Hey, est-ce que je suis en train de disparaître? Ouais, je suis un vrai vampire! Hey, tu vas où? Oh, tu peux m'enfermer? Je veux dormir comme un vampire. T'es qu'une gamine! Vraiment insupportable! Tu reconnais ton Pokémon préféré? L'amour l'a vraiment transformé! Qu'est-ce qui m'arrive? Ces crocs sont tranchants? Tu m'as eu finalement! C'était ça où tu m'attrapais en premier! J'ai besoin de ton aide! J'ai décidé d'organiser une fête pour vampires! Sinon, je t'aurais pas invité! T'es partant? C'est une super idée! Alors aide-moi à mettre la table! J'ai planifié ça depuis des lustres! Et ne touche à rien, hein! S'il te plaît, fais pas ça! T'aurais dû voir ta tête! J'ai failli faire une crise cardiaque! Je crois que c'est bon! Comment tu fais pour vivre dans toute cette poussière? Oh, il y en a encore là! Allez, vivement qu'on se rencontre, j'ai tellement hâte! Allô? Mais oui! Bien sûr que vous pouvez venir! Je vous attends au 666 Elm Street! On est là! C'est ça la mèche? J'y crois pas! T'es sûre qu'on est au bon endroit? Oh, salut les filles! Ah! Me laisse pas toute seule! Hé, hey, vous êtes pas contente de me voir? Ces embouteillages! Oh, c'est à toi ça? Je voulais juste faire la fête, mais je crois que les filles n'aiment pas la nouvelle moi. Oublie-les! Il y a une fête pour les gens comme nous ce soir. Une fête pour vampires? Oui! Et Vlad sera là. On y va alors! Allez, viens! Oh, une minute! T'es coincé là-dedans ou quoi? Ah, c'est Pokémon alors!
Bon, j'ouvrirai ça là-bas. Vlad, c'est la fête du siècle! Mec, t'es pas dans ton assiette ce soir. Voilà, on y est. Et Vlad est juste là. Hey, Vlad, Matt, c'est meuf! Je l'ai jamais vue avant, elle. Je crois qu'il a craqué sur moi. Vlad, c'est un signe! Allez, foncez! Dégage de là, Ellie. On danse? Avec plaisir. Je m'appelle Salamèche. Qu'est-ce que tu crois faire, là? Hey, ça te dit une petite danse? Bien sûr! Tu danses tellement bien! Tu te cachais où avant? Je crois que je suis amoureux! Moi aussi, Vlad! Vlad a du goût! Ça suffit! C'était une danse magnifique! Avec la plus belle des vampires! Vlad, tu me fais rougir! Oh non! Ah, sauf qui peut! J'ai aussi fait tomber mon gobelet. Oh non! La lumière du soleil n'est clairement pas la bienvenue à une fête de vampires. Heureusement qu'il était vide. Hé, hey, où est passé tout le monde? Et à qui je parle en fait? Il est où, Vlad? Est-ce qu'il... C'est terminé? Les pauvres! Ils sont devenus de la poussière. Ah, Salamèche! On sera tous poussière un jour. Ça va durer encore longtemps? Maintenant, j'ai plus personne avec qui m'amuser. Qu'est-ce que c'est, un café de vampire? Probablement un coup marketing. J'espère qu'il livre. Allô? J'aimerais commander une nuque frite. Ok. Et je pourrais... Oh non! Encore une plainte? Montre-moi qui vend de la viande humaine. C'est elle? Pas si vite! On a une licence pour ça. Et moi, j'ai un mandat d'arrêt. Et je vais l'utiliser. Inspecteur Miaou, c'est là. Mon travail est d'inspecter les restaurants. Laisse-moi m'occuper de ce malentendu. Ces doigts vont être mis en quarantaine. Vampire, dernier avertissement. Et ça, c'est pour toi, monsieur l'agent. Comment tu savais que j'aime les donuts? Et on n'est pas encore arrivé à la cuisine. Le bar d'abord. Salut, vous. C'est la nappe, ça, ou une couche de poussière? Franchement, comment vous avez pu en arriver là? Et vous appelez ça une cuisine? Les planches à découper, le comptoir? Vous pourriez au moins laver les assiettes, quoi! Est-ce que t'as déjà changé ton tablier une fois, toi? Je l'ai depuis l'école! Mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'elle fait ici? Est-ce que tout se passe bien? L'inspecteur critique tout! C'est mon restaurant! Dégoûtant! Elle a même pas mis les mains! Tiens, essuie-toi! Ça sent mauvais! Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te montrer la salle. Viens, on la suit. Tout le monde n'est pas convié à la conversation. Reste là. Salamèche, suis-moi. On va te servir à manger. Salamèche, s'il te plaît. Le service pourrait être amélioré. Ok, on va commencer par le premier plat. Excellent choix. Dépêche, Salamèche. Tout sera parfait. Fais vite, Conflex, j'attends le repas. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai failli le faire tomber. Tiens, ta commande. Je l'ai déjà eue. Qu'est-ce que tu crois faire, là? Oh, mais c'est pas ma faute. J'ai glissé sur un rat. Je vais te mettre un avis négatif. Aïe! Pas question! T'as pas intérêt à faire ça. Ça te dit un peu d'ail? Éloigne ça de moi! Ouais, je vais dans mon bureau! Je préfère ça. Pourquoi pas essayer notre dernière nouveauté? C'est un plat délicieux. Et il n'est pas tombé de l'assiette, celui-là. Merci, ça ira. Allez, rien qu'une bouchée. Ok, très bien, je vais goûter. C'est pas mal. C'est même délicieux. Donne-moi toute l'assiette. Très bien, appelle-moi le chef. Tout ce que tu voudras. Allez, viens. Et voici le cuistot. Qu'est-ce que je fais là? Ce dessert est digne du guide Michelin. Bravo. Je savais que t'étais normal, pas comme les autres. Comment on arrête ça? Et si on lui donnait un couteau et une tomate? Je vais jeter un coup d'œil au reste du menu. Qu'est-ce qu'on a là? Je veux ce plat-là. Pas de problème. Retourne dans la cuisine. Je comprends pas pourquoi il a mis ça. Tu vas adorer. C'est le plat préféré de Onflex. Tout va bien? T'as besoin d'aide? Qu'est-ce qui se passe? Détends-toi, ça arrive tout le temps. C'est rien, tu t'y habitueras. Wouhou, me voilà avec ton plat. Bon appétit. Régale-toi, je suis sûre que tu vas adorer. Hourra! C'est un cerveau? Attends, c'est du caramel? Ouais, vas-y, goûte!
Désolée. Mais quelle horreur! Y a quelqu'un dans ta cuisine? Comment ça? J'ai mal à la tête! C'est comme si le vent soufflait à l'intérieur! Aïe! T'essaies de m'insulter? Jérémy n'a rien à voir avec ça! Ah! Ouh. Pas sur le cerveau! Ouh, je l'ai eu! Rends-moi ça, c'est pour l'inspecteur! Retourne dans le congèle! Hey, Miss! T'as pas terminé? Ça devrait la réveiller! Hein, je suis où? Chut! T'étais en train de goûter mon cerveau! Tu penses quoi de ce morceau? C'est fourré à la framboise et à la crème. Allez! Je mangerai pas ça, tu rêves! Oublie pas que ce genre de plat flippant, c'est bien pour les parcs d'attractions, pas les restos! Comment ça, un parc d'attractions? C'est sérieux ce que je fais? Faut arrêter de faire des assiettes si effrayantes. Faut que ce soit plus mini. Ok, on va faire des trucs cucu. Où sont tes manières? Tu peux faire ça? Ouais, je peux essayer. Voilà les derniers petits pains que j'ai préparés. T'en penses quoi? Quoi, c'est du pain, ça? C'est complètement cramé. Prends plutôt ça. Je veux plus jamais voir les autres. Ceux-là sont plus mignons, c'est vrai. Allez, un petit coup de scie? Pas comme ça, je vais te montrer. Pikachu va adorer. Ronflex, c'est pas comme ça qu'on fait. Sois un peu sérieux. Allez, on passe au fromage. Ne mange pas les ingrédients. Les mange pas et t'essuie pas avec. Voilà. Maintenant, on décore le pain du dessus. C'est pas trop chou? Maintenant, c'est mieux, tu trouves pas? Ouais, je sais pas. Hé, hey, boss, t'es là? Oui, oui. Regarde. Voici un nouveau plat. Tu l'as fait tomber dans du chewing-gum? Ok, je vais y goûter. Mais je voudrais pas abîmer mes crocs. Les clients le mangeront. Mais tu dois d'abord y goûter. Très bien, je peux faire ça pour les clients. Alors, ça te plaît? C'est vrai que c'est pas mal, j'avais tort. Je peux aussi y goûter? Bien sûr, prends-le. J'arrive pas à y croire. Salamèche est une traîtresse? C'est vrai que c'est bon. Ce miaouss a décidé de s'emparer de mon restaurant, c'est ça? Regarde, c'est prêt! C'est normal que je sois comme ça? Bah ouais! J'ai suivi la recette à la lettre! Et des cornes sataniques pour terminer! Je dois noter ça. Plus d'encre? C'est pas un problème! Ah ah! Des biscuits vampires! J'ai presque terminé! Pourquoi tu veux faire peur à tes gâteaux? Et qui aime la nourriture qui fait peur? C'est plus appétissant comme ça. Oh! Et l'autre? Ça va trop loin! Tu vas faire ça avec tous? Si tu le faisais bien depuis le début, on n'aurait pas besoin d'en arriver là. Au lieu de ces monstres affreux, on va faire un beau couple. Oh, des mariés! Ils respirent d'amour. Je vais les apporter. Non, laisse-moi faire. D'accord. Regardez, j'ai déterré quelque chose dans le camion. Et maintenant, c'est au menu. Boss! Hey, je crois que l'inspecteur arrive. Faites pas de bruit. Et cette moustache en dirait un cafard. Vous parliez de moi, c'est ça? Non, on parlait de Ronflex. Goûte à ça ou je retire ta licence. T'es très persuasive, hein? Miam! Je vais faire comme si c'était bon. Oh, waouh! Merci, hein, les compliments au chef. Maintenant, éloigne ça de moi. Ça lui a pas plu? Oh, c'est dégoûtant! Et je viens juste de nettoyer mes crocs. C'est pour toi, offert par la maison. Santé! J'ai même pas assez de papier pour noter toutes les infractions. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout arranger. Qu'est-ce qui est mieux? Ces mauvaises herbes ou des fleurs? Sales ou propres? Je vais tout noter. Waouh, tu peux faire ça? Maintenant, regarde la vaisselle. Impeccable! Je pense que les clients vont apprécier. Hé, hey, Ronflex! Je suis Indiana Jones! J'ai une commande! Ok, compris. Faut que je me souvienne de ce que j'ai appris à la Trung Food Academy. Tu m'as appelé? On est à Ponyland ou quoi? Enlève-moi ça tout de suite! Oui, maîtresse! Je vais prendre l'ancien bol. C'est mieux. Je garde un œil sur toi. Ensuite, le lait. J'espère que c'est acide! On va prendre des fraises maintenant. Et hop, dans le mixeur. T'as pas pris les yeux, mais c'est dégoûtant! Arrête, utilise les verres. L'inspecteur va pas être contente. Comme tu voudras. Je préfère ça. Faut pas trop faire attendre les clients.
C'est bon, j'ai plus qu'à verser le cocktail. Mais pas ça, Ronflex, tu vas tout gâcher. Ce serait meilleur. Ça peut pas être meilleur que ça. Ok, boss, tu sais mieux que moi. Et la garniture pour terminer. Bah, c'est flippant. Allez, allez, apporte ça en salle. Je suis pas un génie. Ça va prendre encore du temps. Oh, la cliente est là. C'est la boss qui m'a forcée. C'est tout à fait son genre. Tiens ton cocktail. Ouah. Tu l'as même pas goûté. Oh, Miaouss. Je m'en occupe. Tiens ton cocktail. Oh, j'ai cru faire un cauchemar. Quoi, t'es toujours pas partie? On devrait acheter ça. Non. Sale matou, donne-le-moi. Arrête. Hors de question. Wow, faut que j'intervienne. Donnez-moi mon cocktail. Hurrah! Ah, c'est exactement ce que je voulais. Quelle ingratitude! C'est délicieux. Je vais te recommander à tous mes amis. C'est un chef-d'œuvre. Selfie time! Regarde, mes abonnés like ton cocktail. Quoi, mais tout ça? On peut pas tous les accueillir. On en veut un, nous aussi. On en prend deux. Vite, Salamèche, prends leur commande. Ils sont combien? Il n'y a jamais eu une affluence pareille chez Vampy depuis son ouverture. Tu vois, je t'avais dit que c'était mieux. Ça a marché. Et si on faisait la paix? Waouh! Eh ben, j'ai un cadeau pour toi. Tu mérites une étoile Miaouslin de ma part. Alors ça, ça se fête. On a fait du bon boulot. Félicitations! C'est mon endroit préféré maintenant. Il est arrivé quoi à mon restaurant? Ah, sauf qu'il peut, au secours! Chérie, t'es de retour? Calme-toi un peu. On a juste légèrement modifié la carte. C'est un restaurant familial. C'est toujours le cas. Oh non, je crois pas. Les vampires sont les seuls à manger aussi tard le soir. Et Vampiros ne fait pas exception à la règle. Et voilà le dessert. Un muffin à la banane. Quoi? Viens par là. Apparemment, les jouets cachés sous la couverture peuvent te sauver la vie. Tiens, un apéritif pour toi. Adieu le vampire. Comment tu trouves ton nouvel appart? Le vampire a l'air plus inquiet d'avoir abîmé sa coiffure pendant la chute qu'autre chose. Et ça, ça doit être le maître des maisons. Mais il n'est pas aussi beau que le vampire. Pikachu fait aussi partie du club des mangeurs nocturnes. Ce type est aimanté ou quoi? Un vampire? Ah! Il y a un tremblement de terre ou quoi? Eh, vous m'entendez? Aouh! Accrochez-vous bien! Aïe! Coucou, beau gosse! C'est à moi que tu parles? Sortez de là, il faut qu'on parle! Oh, Vem, t'es trop mignon! On sort ensemble? Hors de question! Pikachu, on a de la compagnie! T'imagines? Il voulait manger! Ces créatures toutes pâles sont juste là! Tu nous as apporté une friandise? Merci! Mangez ça! Bien fait! Bouge de là! Est-ce que ça va? Espèce de monstre! Adieu! La pauvre! On lui a volé son cœur, mais pas ses compétences de détective! La recherche de son bien-aimé a conduit Pikachu dans une usine désaffectée. Il faut absolument qu'elle retrouve son crush. Pikachu, fais attention! On te pourchasse! Mais la proie a été plus rapide que le prédateur. Pikachu ne gâcherait pas de ketchup, même dans une bouteille cassée. T'aurais une serviette? Quoi, c'est aussi une suceuse de sang? C'est bon, ravie de te rencontrer. Pikachu? Je dois te présenter à tout le monde. Vampy, je t'ai retrouvé! C'est Comte Vampy pour toi. C'est ton imagination. Je vois que vous consentez à devenir mari et femme. Vous pouvez donc vous embrasser. Pikachu, t'es vraiment sûr de ce que tu fais? Oh, comme c'est touchant! Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce mariage? Quoi? C'était une blague! T'es un génie, maître! Les vampires ne peuvent se marier qu'avec des vampires. Toi, l'écureuil électrique,
Dis adieu à ta carte. Quelle naze! Pikachu lui faisait confiance. Pokéball! Et vite! Maintenant, tu y réfléchiras à deux fois avant de te pointer ici. Bon, on va manger maintenant? Je vais cuisiner. La vampiresse Lily est la seule à se soucier de Pikachu. Et elle est prête à prendre des risques pour aider le Pokémon. Il m'a quitté juste devant l'hôtel. Le sujet de la leçon d'aujourd'hui, c'est... Les vampires ne sont pas des Pokémon. T'essaies de m'achever ou quoi? Attends, j'ai besoin d'un truc. Troom Food! Pleure pas et écoute-moi. Tu dois te transformer pour que ça marche. Et comme ça, vous pourrez être ensemble. Est-ce que t'es prête à changer? Carrément! Je dois être un vampire, c'est ça? Tu vas devenir la reine des vampires. Un peu flippant! C'est plus sympa que ça en a l'air. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci, mais c'est pour quoi faire? Encore? On va commencer par les sourcils. On va t'épiler, ma poule. Je me laisserai pas faire. C'est ce qu'on va voir. Fais pas ça, ça fait mal! Arrête ça tout de suite! Oups, est-ce que ça va? Hé, hey, il est arrivé quoi à mes sourcils? Wow! Je suis plus un écureuil, je suis un tigre! Trop cool, merci! Et toi? Les vampires se reflètent pas dans les miroirs. Oups, j'ai pas fait exprès. Mais à partir de maintenant, tout va changer. Comment j'enlève ça? Je pense que ça devrait m'aider. Voyons voir. Waouh, ça fait du bien! Ça donne quoi? Oh, ça a rien fait du tout. Peut-être que le gadget n'est pas assez puissant. Je vais le mettre au maximum. Chica, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis coincée! Ouh. Alors, t'en penses quoi? Maintenant, je suis aussi pâle qu'un vampire. Attends, tu vas où?